Allez, salut, salut les gars, c'est tout le monde, c'est Hospita, et là, vous êtes sur la chaîne 2, sur le russe 225. Voilà, donc, comme vous voyez là, juste à l'écran, je suis là juste pour la bourse de la Russie, pour tous ceux qui ont demandé, parce que j'ai remarqué que il y a, malgré les explications que je donne, voilà, il y a assez de personnes qui n'arrivent toujours pas à pouvoir postuler, donc j'ai décidé comme ça, de vous montrer un peu de quoi j'étais en train de parler, pour que ceux qui ne comprennent pas puissent au moins chercher déjà à comprendre et à pouvoir postuler aussi. Voilà, donc si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, voilà. Et avant de suivre la vidéo, likez, ça ne vous coûte rien du tout, voilà, c'est juste un soutien. Likez la vidéo si ce que je fais vous aide vraiment, voilà. Donc ici, vous voyez là, je vous ai déjà dit qu'il y a un problème de quoi de... Pour l'instant, il y a un problème de connexion et puis il y a un problème de mail, vous voyez là, ça c'est 10 000. Et ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de postuler. Et une fois qu'on va postuler et que Gmail, notre Gmail, d'abord vous essayez avec vos Gmail. Si le Gmail ne passe pas, c'est en ce moment-là qu'on va essayer de se retourner vers des centres de messagerie russes. J'avais dit comme ça, Yandex. Excusez-moi. J'avais dit comme ça, Yandex ou bien @mail.ru ou bien autre. Voilà, maintenant ceux qui ne... qui ont tout essayé et que ça ne passe pas. Bon, j'espère qu'avec ce que je vais faire, vous allez pouvoir vous retrouver un peu plus facilement. Donc ici, par exemple, comme ça, vous voyez, moi j'ai déjà mis en français. Donc je vais essayer de m'enregistrer avec un nouveau mail. Donc ici, je vais prendre un nom comme ça que je vais appeler. Ok. Et ici, le prénom, je vais mettre... Ok, et le pays, je considère que je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais prendre ici Côte d'Ivoire. Donc je vais prendre ici Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire ici, c'est que c'est forcément Ivory Coast. Voilà, donc je vais prendre ici, voilà, il y a Côte d'Ivoire ici. Ok, et le mail qui est là, je vais changer ce mail là. Je vais prendre le mail que je prends pour vous aider en ce qui concerne les bourses. Donc, c'est quoi? C'est... Voilà. On bourse. Si ça ne lui passe pas directement, je vais utiliser les centres de messagerie de la Russie. Comme ça, vous allez comprendre de quoi j'étais en train de parler. Donc, ici, monbourse@gmail.com. Et je vais choisir un mot de passe. Mot de passe. Je commence par une lettre majuscule. Ok, donc si ça ne passe pas, ils vont nous dire que ça ne passe pas. On va réessayer. Donc c'est pas un problème. Ok, donc ici, le code, il y a 1951, je crois. 1951. Il y a 189, 1951, il y a 89, 89. Ok, donc je suis en train de postuler comme ça pour que ceux qui n'arrivent pas à postuler puissent savoir un peu comment ça se passe. Donc vous cochez les deux éléments là, vous acceptez les deux éléments et vous faites la connexion. Vous faites l'enregistrement. Si l'enregistrement ne passe pas, c'est en ce moment qu'on va revenir ici pour venir changer les mails. Donc je m'enregistre rapidement. Voilà, donc ici, ils ont mis quoi? Je vais... essayer comme ça. Ah, le courrier électronique est occupé. Ok, je vais revoir là. On me dit que le courrier électronique est occupé. Est occupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà enregistré sur ce mail là. Voilà, j'ai déjà enregistré avec ce mail. Donc, je vais changer ce mail. Toujours, je reste toujours sur Gmail. Je vais prendre mon mail qui est là. Voilà, et... ici, comme ça, je vais changer le mot de passe. Si j'ai déjà postulé aussi avec ce mail-là, ils vont aussi refuser. Et je vais reprendre un autre mail. Ou bien je vais prendre directement un autre mail ici. Je vais prendre un autre mail là directement. Parce que l'autre mail que je viens de vous montrer, ce qui est là, je crois que je l'ai déjà utilisé aussi auparavant pour aider les gens à postuler. Ok.
Ok, donc je vais prendre un nouveau mot de passe. J'espère que ça va passer. Voilà. Ok, je confirme ici. Ok, j'espère que j'ai bien rentré le mot de passe. Ici, on a 751 et on a 253. Voilà. Et ici, comme je l'ai fait pour la première fois, j'accepte là, j'accepte là. Je clique ici sur enregistrer pour voir si ça va passer. Si ça ne passe pas et qu'on me dit que j'ai déjà utilisé ce mail, bon, ici, le mail passe tranquillement, sans problème. Vous voyez, c'est parce que je n'ai pas encore utilisé ce mail. Donc, ici, ce mail passe. C'est-à-dire la prochaine fois, c'est-à-dire l'année prochaine, si je veux encore utiliser ce mail, ils vont me dire que le mail est déjà utilisé. Vous comprenez un peu, parce que si vous avez déjà créé un compte, vous ne devez pas créer une seconde fois. Voilà. Donc ici, on me dit que j'ai reçu un mail. Voilà. Mais ce que je vais faire, j'aurais préféré que le mail ne fonctionne pas. Comme ça, on allait créer avec un compte Gmail ailleurs. Voilà. Pour que vous sachiez un peu comment, de quoi j'étais en train de parler. Ok, donc. On va considérer que ce qu'on va faire, voilà, ici on me dit que ça, on me dit que le lien d'activation a été envoyé à l'adresse, donc je dois aller sur l'adresse mail et de là-bas je vais voir mon lien pour pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir continuer. Mais ce que je vais faire est très simple, je vais considérer que mon mail ne passe pas, voilà, je vais considérer que mon mail ne passe pas et je vais utiliser un autre mail qui est Yandex ou bien @ru. Donc ici comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comme ça me retourner. Je vais repartir sur la première page où j'ai fait l'enregistrement. Donc ici parce que je considère que ça ne passe pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de postuler, mais ça ne passe pas. Voilà. Donc si moi je fais et que ça passe, c'est comme si je ne vous ai pas aidé carrément. Donc je vais repartir ici. Voilà. Je vais reprendre. Mais cette fois-ci, je vais créer d'abord mon compte Yandex, voilà, et l'utiliser pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc ici, par exemple, comme ça, je vais venir sur la première de couverture ici, et je vais comme ça essayer de chercher Yandex. Voilà, donc ici, par exemple, je vais sur Google, voilà, je vais sur Google, ou bien vous pouvez écrire directement dans la barre de recherche. Moi, je vais aller sur Google comme ça pour montrer à tous ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je vais sur Google et ici, je vais écrire Yandex. Je vais écrire comme ça, yandex.ru. Voilà, je vais cliquer sur yandex.ru. Je viens là, yandex.ru, ou bien je viens ici, Yandex Mail, ici, ce qui est là. Voilà, donc je viens là, Yandex Mail. Et moi, comme moi je suis déjà ici, moi j'ai déjà mon Yandex Mail, voilà, mais je vais me déconnecter du Yandex Mail, comme ça, vous allez. Voilà, ici c'est déjà bon. Ici ce n'est pas enregistré directement. Donc, ici, Yandex Mail, Get Start, ici. Voilà. Je vais comme ça essayer de m'enregistrer avec ce mail-là. Comme ça, je vais l'utiliser pour pouvoir aller postuler. Donc, Yandex Mail, je prends le prénom. Je vais prendre un prénom quelconque. Ok, le nom. Je vais prendre un nom. Ok. Je Ok. Et je choisis comme ça un identifiant. Je vais prendre par exemple ça, kilo, ça. Ok. Je vais choisir mon mot de passe. Le mot de passe, on me propose ce qui est là. Mais moi, je vais pas prendre ça. Je vais choisir moi-même mon mot de passe. Voilà. Je vais prendre comme ça. Je vais me connecter directement. Ok. Ici, confirmation de mot de passe. Ici, on dit mot de passe trop simple. Utiliser les lettres majuscules, gna 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 gna, et les minuscules. Ok. Je vais utiliser les lettres majuscules. J'espère que c'est bon. Ok, c'est déjà moyen, c'est déjà bon. On va avancer.
Ok. Et ici, je vais mettre ici mon numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone que vous connaissez tous. Voilà, je vais mettre ce numéro de téléphone là. Non, je vais mettre ce numéro de téléphone. 7 987 904 07 19. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer comme ça de m'enregistrer. Ou bien, vous allez obtenir le code pour pouvoir confirmer. Mais moi, je vais essayer de m'enregistrer directement. Si on me demande de chercher forcément à avoir le code, je vais ici cliquer là, obtenir le code et je vais réenregistrer. Ici, on me rappelle encore que mon mot de passe est trop simple. Donc, je vais ajouter ici. Je vais ajouter comme ça. Je vais reprendre ici le mot de passe. Ok, on dit c'est sûr, c'est bon. Donc, je vais confirmer maintenant. Ok, donc, je vais essayer de m'enregistrer. On me dit que je vais recevoir comme ça. Je vais recevoir. Voilà, je viens de recevoir comme ça. Mon code, donc je vais prendre ce code là, je vais mettre rapidement et puis pour qu'on puisse avancer. Ok, 145 483. Ok, donc je m'enregistre. Je souhaite recevoir les publicités. Non, ok, je m'enregistre rapidement sur Yandex. Comme ça, on me demande de prendre des photos. Je vais ignorer d'abord pour l'instant. Donc, si vous voulez mettre votre photo, vous mettez votre photo et tout ça et tout. Ok, donc là, vous voyez directement que je viens de créer mon compte en ce qui concerne mon compte Yandex. Voilà. Donc, ça, c'est mon compte Yandex. Vous voyez, c'est identique au compte de Gmail. C'est identique au compte de Yahoo Mail. Voilà. Et si vous voulez traduire les éléments qui sont à l'intérieur, vous pouvez traduire aussi facilement. Et tous les éléments qui sont là seront traduits en français. Vous voyez là, en français, distribution, réseau, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc là, je viens de créer mon compte Gmail. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est d'utiliser ce compte-là pour pouvoir maintenant postuler à notre bourse. Voilà, donc voici mon compte qui est là. C'est quoi? kilolo@yandex. Voilà, donc je peux copier ce lien-là. Je vais copier juste ce qui est là. Voilà, je copie directement ça. Et je reviens sur la plateforme qui est là pour pouvoir postuler avec Yandex. Donc, pour voir ça va passer. Donc, ici, je mets là. Le voilà qui est là. Kilolo, voilà. Donc, vous comprenez déjà. Et je viens là pour venir m'enregistrer. Je vais recopier ici. J'ai déjà copié là. Je vais recopier là. Donc, je m'enregistre avec cela. Ok, donc ici par exemple comme ça, je reprends encore les mêmes éléments, le prénom, le nom. Et ici, mon nom de famille. Ok, et je prends le pays, je peux prendre Côte d'Ivoire toujours. Voilà, je prends toujours Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, j'espère que vous allez comprendre ce que je suis censé faire. Voilà, donc... essayez de faire comme moi. Maintenant, si ça ne passe pas, je vous ai déjà dit que nous postulons pour les étudiants. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés peuvent me contacter inbox. Il y a mon numéro en description. Vous pouvez déjà me contacter et puis on va essayer de s'entendre et puis essayer de postuler pour vous. Donc, ici, j'enlève ça. Je vais mettre le compte Yandex ici. Voilà. Et ici, j'ai choisi mon mot de passe. Ok, je choisis mon mot de passe. Ici aussi, je choisis mon mot de passe. Ok, donc, une fois que j'ai choisi mon mot de passe, je vais venir là pour venir ici. 896, je crois, 665. Ok, donc, j'accepte. Et j'essaie d'enregistrer pour voir si ça va passer. Voilà, donc, ici, comme ça, vous voyez, ça passe tranquillement et sans problème. Donc, directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans mon compte Yandex que je viens de créer, si j'ai reçu le message, pour pouvoir l'activer et essayer de continuer. Donc, je reviens dans mon compte Yandex que j'avais créé là.
Je vais, ici, il n'y a pas de message d'abord, donc je vais actualiser rapidement pour voir si le message sera là. Voilà. Si j'actualise, je dois voir le message là-bas et cliquer sur ce message-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir continuer. Voilà, donc on va attendre un peu ici. Je vais revenir directement là dans mes messages pour venir voir si j'ai reçu un message ou pas. Ou bien je vais essayer d'attendre un peu pour voir si mon message va être ici. Voilà, donc c'est une manière de vous dire quoi? De vous dire, ici on me dit que ici le lien d'activation est envoyé à l'adresse email spécifiée. Si la lettre n'est pas arrivée dans vos courriers, vous pouvez le renvoyer. Donc ça peut prendre aussi un peu de temps, voilà. Ça peut prendre aussi un peu de temps, donc c'est une manière en même temps de vous montrer. Mais tout à l'heure, je vais attendre à ce que le message vienne et je vais aussi essayer de faire quoi? De continuer pour vous montrer un peu ce qui va suivre un peu devant là-bas pour que vous soyez un peu, pour que vous sachiez comment est-ce qu'on postule, voilà. Donc déjà, vous savez déjà comment est-ce qu'on s'enregistre, comment est-ce qu'on s'enregistre sur Yandex, voilà. Mais maintenant, moi, je vais attendre le message de Yandex. Je vais l'utiliser pour pouvoir continuer pour la prochaine vidéo. Donc les gars, j'espère que ça va ce que je viens de faire. J'espère que vous comprenez ce que je viens de faire. Et puis voilà, on se prend à tout à l'heure pour 17h. À 17h, il y a le direct. Le direct va porter sur la bourse de la Roumanie et la bourse de la Russie aussi. Donc les deux en même temps. De toute façon, je vais mettre le titre. Vous allez comprendre et vous allez voir pour que nous puissions en débattre pour les questions et les réponses. Voilà, donc surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas et à tout à l'heure, à 17h00, soyez en ligne pour qu'on puisse discuter un peu pour... En ce qui concerne vos difficultés pour postuler à la bourse de Russie. Ok, donc les gars, à plus et puis surtout prenez soin de vous.